On va sur le jeu. Et donc voilà, ici 1 minute 38, donc ça c'est la partie que j'ai commencé hier pour vous montrer. Alors maintenez pour effacer. Voilà. Donc on va commencer une nouvelle partie en normal. Donc on va avoir bien sûr toute la cinématique du début qu'on peut pas zapper, éviter, hein, qu'on ait le jeu ou pas. Après si dans la vidéo vous voulez passer les premières secondes, bah, pour je crois que ça dure 30 secondes. Pour passer l'intro, vous pouvez le faire, hein. Ok, donc là, on va se retrouver au début du jeu. Donc on va voir tout le petit pitch qui nous dit que on est sur une planète mais que nos outils sont en panne, que notre système de survie est plus ou moins cassé. Voilà, la planète avec les bestioles, bien entendu. Alors au départ elles sont pas trop agressives, mais plus on avance dans le jeu, et quelle que soit la planète, plus elles seront de plus en plus agressives, parce que ben, entre temps vous en aurez tué pour des missions, pour avoir de la nourriture, pour avoir des ressources qu'on a qu'en tuant les bestioles, hein, donc voilà. Donc on va passer l'intro. Il va me falloir, je le sais, de la poussière de ferrite. Et merde, c'est pas ça que je veux. Chaque fois, je me fais avoir. Il m'en faudrait un petit peu plus, peut-être. Toi, dégage. Un peu de carbone pour charger les outils. J'aimerais bien retrouver un petit peu plus de ferrite. Non, ça n'en est pas. Alors, je ne sais pas du tout combien j'en ai au début. Et là, on en a 50. On va essayer d'en trouver un petit peu plus alors. Ok. Donc. Ok. Donc maintenant, on peut scanner pour chercher. Il y a juste à côté, c'est parfait. Ça va m'aider à recharger mon bouclier et donc à survivre plus longtemps. Voilà, donc il faut aller en chercher d'autres parce qu'on a vu que c'était pas suffisant. Voilà, donc là on peut se mettre bien. Et j'ai plus d'oxygène.
Alors, est-ce qu'on a de l'oxygène quelque part par là? Donc vous avez vu, hein, c'est quand même assez rapide. Là, je suis tranquille, hein. Bon, je sais qu'il faut que j'aille putain, réparer, trouver et réparer le vaisseau ensuite. Un peu d'oxygène. Alors, où c'est qui est ce putain de vaisseau à la con? Allez, on va y aller de suite parce que 500 unités, c'est quand même pas la porte à côté. Donc les unités de distance, hein, ben, c'est la distance sur les planètes, c'est pas en mètres, en kilomètres, en miles ou autre unité de mesure. Oh, il y a du poids. Ouais, mais je vais pas me blinder parce que. Est-ce que je peux? Alors, cristal de carbone condensé, comme ça, quand vous en trouvez, prenez-le parce que ça va vous aider à recharger vos armes, ainsi que le carbone normal. Mais l'avantage du condensé, c'est que ben, ça recharge beaucoup plus mieux, enfin mieux. C'est-à-dire qu'avec 10 carbones, vous allez recharger votre machine, alors qu'avec 5 condensés, vous allez la recharger sans problème. Ouais. Hein, il en faudra moins parce que c'est plus puissant. Un peu de sous, on va les prendre. Alors, ça va pas vous donner les sous tout de suite. Il faudra le vendre en station spatiale quand on pourra y aller, bien sûr. Toi, beurre-toi. Excusez-moi, je me gratte. Alors, on a quoi? Notre pilier radieux, notre petit premier vaisseau. Oui, bon, allez, saute parce qu'on va pas y passer la journée, là, hein. Donc, on va commencer par aller chercher les bonus d'abord, les nanites. Ensuite, on se mettra à l'abri dans le vaisseau, il va nous protéger un tout petit peu. Même s'il est un peu cassé. On a eu quoi? J'en sais rien. Du sodium, ça c'est bien. Carburant de. Ah non, du d'hydrogène on a eu? Ah bon, d'accord. Des nanites. Une trentaine, normalement. Ça apparaît tellement vite qu'il n'y a même pas le temps de le voir. Merci le jeu. Connecté. Réparer. Alors il me faut un seau hermétique, ça on pourra pas le fabriquer, il va falloir le trouver. Plaquage métallique, on peut peut-être le faire. On va vérifier ça tout de suite. Donc exocombi, plaquage métallique, non, j'ai pas assez de ferrite, il m'en manque 30, allez, va chier, j'ai la flemme de compter, je sais pas compter, donc voilà. On va aller à la balise. Et allez, tromper de touche, comme d'habitude. Oh Rogi, bonjour et merci pour le follow. Bienvenue sur ma chaîne. Je ne sais pas si tu joues à ce jeu, si tu le connais. Si tu veux bien me le dire, bien entendu. Du nitrate de sodium, oh, ben c'est parfait. Ok, donc il me faut quoi de la ferrite?
et on a du sodium là-bas, on va aller chercher un peu d'oxygène ici avec la plante. On s'en fout, on scannera plus tard. Du carbone pour recharger les armes, bien entendu. Est-ce que c'est de la poussière? Oui. Donc il va en falloir au moins deux rochers. On a combien là? 20. Oh, oui. Au moins deux. Ok. Donc là on monte à 40 en tout, hein. Poussière de ferrite envoie. Le reste pour l'instant je m'en tape. Malgré que si c'est du d'hydrogène, ça pourrait rendre service. Donc on va commencer par scanner. J'ai pas. Ah ben oui, j'ai pas visé d'analyse. Donc c'est râpé. Ça c'est quoi? Poussière de ferrite, envoie. Je suis pas sûr d'en avoir assez. C'est la ferrite pure ça? Ah oui d'accord, ben, je l'aurais pas. Du carbone? Eh bien, on voit, chérie. Ok, on va aller se mettre à l'abri. C'est pas la peine de crever bêtement. Alors. On peut fabriquer le plaquage, j'ai vu. Donc j'en veux juste un. On va le poser ici. Voilà. Et donc là, il nous manque le seau hermétique. Mais le seau hermétique, comme il faut des choses qu'on ne peut pas avoir des barres, ça va nous donner une position où on va pouvoir aller le récupérer. Donc on va dans l'inventaire. Où c'est qu'il m'a foutu le. Ah mais il faut peut-être. Oui, il faut aller chercher à base, d'accord. Donc on va chercher le machin ici. Ne me demandez pas les noms. Vous le lisez comme moi. Hein. J'espère que vous avez des yeux, sinon ça va être compliqué. Ça c'est quoi? Oui, c'est du décor. Alors, on va se mettre à l'abri du vaisseau. On peut utiliser le diagramme depuis le vaisseau, même s'il est au sol, hein, c'est pas géant. Pourquoi j'ai eu une alerte? Il y a une tempête qui arrive ou quoi? Ouais, il y a une tempête qui arrive, je vois que ça se couvre à vitesse grand V, bon, on va laisser passer. Oui, ben on ira après la tempête, chérie, j'ai pas envie de crever. Moi j'aime bien cette vue là. Bon, on voit le cul. Mais comme tout est histoire de cul. Bon, je plaisante évidemment. Mais bon, j'aime bien cette vue. Voilà, c'est tout. Après, chacun ses goûts. Hein. Alors, rendez-vous coordonnées. Ben, je pensais qu'il y avait la tempête, mais en fait, je suis pas sûr. La seule façon de le savoir, c'est de sortir du vaisseau. On a des pluies acides, mais est-ce que c'est la tempête? Ça me dit pas que c'est la tempête. Donc c'est le climat normal. Ok, donc alors il faut qu'on aille. Où ça? Là-bas. On est à 700 unités, donc il y a intérêt à pas trop traîner. Il
Évidemment, si on trouve du sodium en cours de route, il va falloir le ramasser pour recharger les boucliers de la combinaison et un peu d'oxygène aussi, ça serait bien. Parce que là, j'en ai pratiquement plus. Donc, on va essayer d'attendre d'être au sommet de la colline, là, de la montagne, je sais pas trop. Pour l'instant, le vaisseau il est cassé, il fonctionne pas, donc c'est même pas la peine d'essayer, espérer de pouvoir le piloter, hein. Ah, putain de merde. Chaque fois c'est pareil dans ce jeu. Tu fais 10 mètres, tempête. Où est-ce qu'on va pouvoir se foutre à l'abri? Là, j'ai pas d'abri. Bon, eh bien, il va falloir prendre de quoi se soigner parce que là, on va pas pouvoir éviter la tempête. Il me faudrait du. Ah, à moins qu'on ait une grotte. Non. Si, peut-être. Non. Est-ce qu'on a. Ouais, on a du sodium ici en bas. Mais il me faudrait surtout de l'oxygène. Remarque, on a deux plantes. Deux plantes méchantes là qui vont nous en donner en les tuant. Alors. En voilà pour une. Oui, j'ai vu, chérie. 2 secondes. Laisse-moi prendre de quoi arranger tout ça. Voilà. On a quelques secondes de répit parce que en tempête, hein, ça part très très vite. Là, ça passera pas. Il va falloir faire le tour. On a du sodium là-bas. Je vais le chercher. Là, il faut prendre le temps de le faire parce que sinon vous crevez, hein. Ah ben c'est bon, on est presque arrivé, ça va. Donc on va économiser les trucs de soins. On se met à l'abri tout de suite. C'est tout ce qu'il y a ici? Apparemment, oui. Ouais. Bon, ben on va laisser passer la tempête. Voilà, donc là on compte 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut y aller, on est tranquille. Trente nanites à peu près. Ouais, 27. Donc là, on va trouver ce qu'on est venu chercher normalement. Voilà, donc là, il nous donne le fameux seau hermétique, hein. Impec. On va voir s'il y a autre chose d'intéressant, sinon on repart tout de suite. J'avais vu un module enfoui. Ah oui, mais de toute façon, j'ai pas l'opérateur de terrain, donc ça sert à rien. Il y a un sodium là-bas, on va le chercher. On en aura besoin pour le retour.
Ok, est-ce qu'on a un petit peu d'oxygène par là? Du carbone pour recharger les outils. Ça va servir. Il y a du machin là-bas, ouais, mais bon. Allez, on va chercher les nanites là-bas. Si jamais j'ai plus de place, je vais jeter les trucs qu'on pourrait vendre, mais pour l'instant, de toute façon, je peux pas puisqu'il faut aller en station spatiale. Un peu d'oxygène. Encore un peu d'oxygène. Voilà. Bon, là, je pense quand même qu'on est paré. Où est-ce qu'il est, mon putain de vaisseau? Alors, utiliser la visière d'analyse, d'accord. Ah, nanotube de carbone, il m'en faut un. Alors. Quel con. Non, le petit outil. Ouais, parce que sans ça, on saura pas où est le vaisseau, sinon. Et il est là-bas. Allez, on y va. Évidemment, trompez de touche, comme d'habitude. Si ça, vous voyez quelqu'un diffuser sous mon nom, ne jamais se tromper de touche. C'est que c'est pas moi, hein. On m'aura piqué ma chaîne. On va aller chercher le sodium là-bas. Un peu de d'oxygène en passant. Un peu d'hydrogène, ça va servir. Donc à combien? 50? Bon, disons 60, allez. Si on en trouve d'autres, on en prendra d'autres, sinon tant pis, il faudra chercher après. Oh, ça je veux. Combien il me reste de place? 12. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah, du hydrogène, super, je suis content. Un peu d'oxygène, s'il te plaît. Parfait. Oui, les scans, on verra après, hein, une fois qu'on sera à l'abri avec le vaisseau fonctionnel ou presque. Il va falloir recharger. Donc, vous voyez que, bon, une fois que vous savez quoi chercher et comment l'avoir, bon, ben, après, ça devient quand même assez simple, hein. Une fois que vous savez déjà survivre aux premières minutes du jeu, après, bon, c'est un petit peu moins compliqué, on va dire. Ça, je sais que je vais en avoir besoin ensuite, donc, je le prends. Il va aussi me falloir de la poussière de ferrite. Des PNJ qui viennent de passer. Ah, à sec.
carbone, de l'oxygène, pardon. Comme ça, si jamais il y a une tempête, on pourra peut-être survivre jusqu'à temps d'arriver au vaisseau. Je dis bien peut-être, c'est pas gagné, hein. Poussière de ferrite, ouais, on verra plus tard s'il en faut d'autres ou pas. Je préfère quand même en prendre parce que je crois qu'il faut pas mal de plaquage. Hein, si je me souviens bien de mon début de partie d'hier. Alors je l'avais montré en vidéo, mais comme j'ai donné un lien à quelqu'un que je connais pour me rejoindre en jeu sur Steam et que j'aime pas que ça traîne au grand public, et ben je l'ai enlevé. Un peu de carbone, de putain, d'oxygène. Moi ouais, et non, alors. Allez, boost. C'est quoi du sodium? Pourquoi il y a cette lueur? C'est de la lueur de sodium, ça, mais il n'y a pas la plante, donc c'est mort. Ah, il faut ouvrir les yeux dans le jeu, hein. C'est bon, ok. Où est mon putain de vaisseau de merde? Parfait. Donc là, étant donné qu'il manquait que le seau pour réparer les réacteurs, on va pouvoir le faire. Donc la ferrite pure et la gelée de l'hydrogène, alors pour ça il va falloir qu'on fasse, pour la ferrite pure, il va falloir qu'on fasse la raffinerie. Par contre la gelée de l'hydrogène, je crois qu'on peut la faire directement. Voilà, et il en faut je crois deux. Et par contre il va me falloir du plaquage. Deux. Et là, est-ce qu'on peut faire la raffinerie? On va essayer de la faire face au vaisseau, qu'on voit où est-ce qu'elle en est. Ok. Donc évidemment, il va falloir l'alimenter en carburant. Donc il nous faut de la ferrite. Je ne sais, non, il nous faut quoi? Merde, qu'est-ce que c'est qu'il me faut? La gelée d'hydrogène, je l'ai faite, donc c'est l'autre. C'est quoi alors? Oui, il me faut de la ferrite pure. Mais je vais jamais avoir assez. Bon, enfin, on verra bien. Donc, on peut déjà commencer par mettre la gelée, puisqu'on l'a. Et donc maintenant il faut faire de la ferrite pure. Et apparemment la raffinerie a terminé. Bah, vu ce que j'y ai mis, c'est pas étonnant, il n'y avait pas grand chose. Alors est-ce qu'il va. Il en faut 50 et j'en avais 30. Ah ben on va essayer de trouver d'autres ferrites alors. Donc
c'est du 2 pour 1, il m'en faut 20, donc il m'en faut au moins 40. Non, ça c'est du carbone. Vingt, 20, 20, 40, presque 50, on va essayer d'en avoir un petit peu plus au cas où je me serais trompé. Voilà. Là, normalement, ça devrait être bon. Toi, pousse ton cul. Allez! Alors, poussière de ferrite, c'est parti. Hop, hein, lancé. On va se mettre à l'abri. Vous voyez, ça fait une petite lueur à peu près au milieu de la machine quand elle travaille. Donc c'est à ce niveau-là, hein, juste en face de moi. Voilà, donc là normalement on peut finir de réparer. Donc chaque fois sur les pièces qu'il vous faudra réparer, si jamais vous vous rappelez plus de ce que c'est celle où il y a le point d'exclamation. S'il n'y a pas de point d'exclamation, c'est que vous l'avez déjà fait. Voilà, ok. Donc on va aller récupérer la machine. D'ailleurs, ça nous le demande, hein. Donc on la vide pas, hein. On peut pas la vider de toute façon d'énergie. Ok, donc est-ce qu'on a un petit peu de carburant de décollage? Oui, suffisamment. Est-ce qu'on peut en faire? Je peux en faire un. Donc, ben on va en faire un. Ah non, je peux en faire deux. Eh ben, on va en faire deux. Donc ça, je veux dans le vaisseau. Voilà, le bouclier est à 100%, c'est parfait. Donc ça, on va le monter ici. Ça, il faudra le vendre en station spatiale. Voilà, j'aime bien que ce soit à peu près rangé. Donc ça, pour que ce soit plus efficace, on va le déplacer ici. Et on est parti. Donc il va falloir tester le vaisseau, si je me souviens bien. Mais vous voyez, ça a pris combien là? Combien ça fait que je stream? Merde, je le vois pas. 30 minutes? Ah oui, quand même. Ouais, une trentaine de minutes quand même, hein, pour réparer le vaisseau, parce qu'il y a quand même pas mal de comment ça s'appelle, de distance à faire à pied. Donc en fait, quelle que soit la réponse qu'on met, hein, la première, de toute façon la deuxième on n'a pas le choix, ben ça donne exactement le même laïus, donc après à vous de voir, hein, qu'est-ce qui vous amuse le plus. Donc une fois que vous avez enclenché le propulseur, hein, le pulseur réacteur, ben, vous pouvez tout lâcher, ça se fait automatiquement jusqu'à l'arrivée.
Après, il faudra évidemment reprendre un peu en manuel pour l'atterrissage, hein. Réduire ou accélérer les gaz, faire la commande pour atterrir, enfin ça se fait pas tout seul. Voilà. Sauf si vous avez une plateforme d'atterrissage. Là, vous la visez, vous faites la commande d'atterrissage et l'atterrissage est automatique. Donc, quand je dis vous, ça peut être une plateforme de PNJ, hein, d'un bâtiment en PNJ. C'est pas forcément la vôtre. Alors, position approximative comme d'habitude. Donc, on va se poser au plus près. Ah, je vois où c'est. Je vois où c'est. Est-ce qu'on a une plateforme? Non. Ah bon, on va se poser à côté. C'est pas grave. Olé. Alors, pensez à fouiller ces pièces-là. Parce que comme vous le voyez dedans, il y a des machines qui peuvent vous restaurer le bouclier, qui peuvent vous restaurer la santé, qui peuvent vous donner des nanites, qui peuvent vous donner du fric. Donc n'oubliez pas de le faire. Une trentaine de nanites. Ça reste affiché tellement longtemps, à ces 30 nanites, que j'avais pas eu le temps de lire. Est-ce qu'il y a autre chose? Ben non, le point de rendez-vous était pas là alors. J'aurais cru, hein, parce que c'est vraiment la structure qui était la plus proche. Eh ben c'est ailleurs. C'est pas grave. Une relique. Je la vendrai parce que si on peut apprendre un mot avec éventuellement. En l'offrant à un geek, évidemment. Où est mon pétain de vaisseau à la con de merde? Il est là. Et donc tu me dis que c'est pas là qu'il faut aller alors? À 800 unités de distance. Donc c'est après la colline. Oh 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 oh. Je vais me plier en faisant comme ça. Et qu'est-ce que c'est que je voulais aller voir? J'ai oublié. Ah oui. Mais ta race de mère, arrête de te tromper, bordel! On est à quelle distance ça? 590. Oui, mais j'ai pas le temps. Et j'ai pas la place surtout. Ça, très important, hein. Chaque fois que vous en trouvez, prenez-en parce que c'est quand même le carburant principal du vaisseau pour décoller. Donc, si
si vous n'avez pas, ben, vous êtes foutu. 450. On va recharger la combi. J'ai pratiquement plus d'oxygène. Il va falloir en trouver. On va contourner par là. Attendre de passer les obstacles pour voir un peu où c'est. Alors, 287. On va pouvoir ramasser le sodium au passage. Pas le bleu, hein, ça sert à rien. Enfin, dans le cas présent, ça sert à rien. Ça serait un boost pour la combi, le deutérium, là, la petite fleur bleue. Donc il me faut ça, mais il me faudrait de l'oxygène, chérie, t'en as pas là? Bon. Alors, est-ce qu'on en aurait sur le trajet? Il n'y a rien du tout. Oh putain. Il y a du sodium là-bas, mais j'aurais préféré de l'oxygène. Alors, c'est pas que ce soit très rare le dihydrogène, mais il y a certaines planètes où il n'y en a pas. Donc essayez d'en avoir toujours un peu d'avance ou au moins du carburant. Hein, même si vous n'avez pas le... un peu de carbone pour recharger. Je vois qu'il y a du carbone condensé, on va le prendre. Alors, où c'est qu'on est? Ah, on est vraiment pas loin. Cible à portée. Ah bon? Ah, d'accord, je la vois. Toi dégage. Toi dégage. Va me rester à la place. Ah oui, il nous donne l'ordinateur de base, donc il va falloir faire un début de base, ok. Donc il va falloir faire l'opérateur de terrain pour pouvoir creuser les gros dépôts. Mais enfin voilà, hein, moi, mon but c'était de vous montrer comment survivre aux premières minutes du jeu, de façon à pouvoir ensuite aller chercher le reste. Et vous avez vu que ça reste assez facile. À condition bien entendu que ben, sur la planète où vous êtes, il y ait ce qu'il faut. Après, si vous voyez que vraiment, au bout de 5 minutes, quand vous êtes prêt à crever, vous ne trouvez rien de ce qu'il faut pour survivre, ben, foutez le camp, hein, ça sert à rien de rester. On peut appeler le vaisseau, on a une donnée de navigue. Ok, ben voilà, hein, j'ai fini donc le petit tutoriel. Je vais arrêter la vidéo, je vais aller les mettre en ligne sur YouTube. Regardez aussi comment je peux faire pour mettre
le lien sur ma chaîne. Et donc, ben voilà, ben bonne journée. Et puis en tout cas, au Rogi, si tu es encore là, ou au Rogi peut-être. Si tu es encore là, ben encore merci pour ton follow. Une bonne journée à toi. On va sauvegarder ou pas. Voyons, on sauvegarde. Allez, on sauvegarde. Hop, retour au choix. Voilà. Donc là, si je veux continuer ma partie, je reclique de sur jouer et sinon ben, je vais cliquer retour sur le bureau. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vais aller m'occuper de mettre les vidéos en ligne, enfin tout ce qu'il faut faire. Et ben, à la prochaine, je pense faire cet après-midi un peu de lumberjack. Hein, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc j'essaierai de faire ça cet après-midi. Allez, bonne fin de matinée, bon appétit quand ça sera le moment. Et puis, bonne journée pour le reste du temps. Ciao, ciao!